Et finalement, on a abordé cette commission d'enquête en essayant quelque chose de très simple, difficile dans l'opérationnalisation, mais très simple. Il y a un droit auquel nous sommes soumis, que nous avons accepté, érigé. Ce droit, c'est la composition du droit international, du droit européen, du droit national. Et on a voulu mettre à l'épreuve de l'effectivité du droit français la situation, les conditions de vie des migrants et leur situation, justement, typiquement, sur cette question de l'accès au droit. Les constats sont alarmants. Alarmants parce que la promesse républicaine n'est pas tenue. Quand on est étranger en France, on n'a pas les droits dont on devrait pouvoir disposer dans ce pays au regard de la loi, pas au regard de l'idéologie de gauche, de droite, de je ne sais où, au regard de la loi, des lois qui fondent cette République, de la Constitution, les constats sont accablants. Ces constats, ils sont accablants dans tous les domaines. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème qui est devenu systémique.